Salut tout le monde, c'est Barry Onyx et on se retrouve sur Fable pour continuer et terminer notre aventure. Donc apparemment le jeu est un petit peu plus long que prévu. Je vais aller voir, tiens, ici il y a quoi. C'est un coup avoir un coffre. Qu'est-ce que je disais? Fiole de résurrection. Alors, on va se rendre à Snow Spire pour aller voir l'oracle. Je fouille un peu le coin, peut-être qu'on trouvera des armes beaucoup plus puissantes que ce que j'ai pris d'argent. Clé d'argent, ah non, j'en ai pas autant. Alors, on va pêcher. Yes. Élixir de vie. Ok. Ah, il y a un coffre ici. Homme de guerrier sacré. Oulou. Niveau d'armure, plus 17. Portez 100, hein. Waouh. Stylé. Cette statue commémore les anciens soldats d'Archon qui sont morts en défendant la cité contre les envahisseurs venus de la mer. Par là, il y a quoi? Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Un troll de glace. Bon. J'imagine que ce sera pas plus compliqué. Je retire ce que j'ai dit. Comment je fais pour l'esquiver? Son coup. C'est bon.
Bon, il a pas fait aussi mal que prévu, mais quand même, quoi. Ces attaques, elles étaient difficiles à esquiver. Contrefort du Nord. Créature du Nord. Un gigot, un élixir de vie, une potion, je sais pas. Un coffre. Potion PX de volonté. Ah. Nickel. Oh, la vieille esquive de ça monte. Amélioration de santé. Tiens donc. Qu'est-ce que c'est? Objet autre. Non. Arme. Masse d'obsidienne. Améliorée. Amélioration. Régénère la santé continuellement lorsque l'arme améliorée est votre arme de mêlée ou de combat à distance. Assignez cette amélioration à votre arme dans le menu d'armes. Souvenez-vous, cette modification est permanente à votre emploi. Régénère la santé continuellement lorsque l'arme améliorée est votre arme de mêlée. Oh, c'est intéressant ça. L'âme d'arvoil me fait ça. Grand marteau d'obsidienne. Épée longue de mètre. Katana d'obsidienne. Merde. Marteau d'obsidienne. Merde. Épée longue de mètre. Améliorer. Amélioration de santé. Et voilà. Alors, par là, ça fait un grand tour. On va aller par là. C'est quoi ça? Seul faux a le droit d'entrer ici. Ok. Je compte visiter. Voir un peu. Prendre ce qu'il y a. Ok, il n'y a rien. Bon. Moi, je vais pas m'embêter à les combattre. Sanctuaire d'Archon.
incantation, ok. Il y a un cul-de-sac là. Ça annonce un coffre ça. Hé, qu'est-ce que je disais? Massue d'Orcon. Tiens donc. Arme de mêlée. Massue d'Orcon. Moins 90 de dégâts par contre. Équipez-vous de cette arme pour qu'elle devienne votre arme de mêlée par défaut. Disponible en plein quai. Souvent pris pour un Hobbs, parfois même pour un bébé troll, Orcon était un guerrier minuscule qui vivait dans les montagnes en marge de la société. Ses ennemis riaient fréquemment de lui en le voyant charger massue à la main. C'était généralement la dernière chose qu'il voyait. C'est une arme spéciale, ça. Oh putain, merde. On va voir ce que ça... C'est un petit peu trop difficile. On va retenter. Élixir de vie. Attendez, mais c'est quoi ça? Objet, potion, élixir de vie. Une potion de santé vous adaptera pour entendre avoir votre santé de façon stupéfiante. Vous allez péter la forme comme jamais, d'accord. Ça augmente la vie, ça fait quoi? Bon. On va continuer. Ah, Églantine. Vous voilà. Alors, bon voyage? Moi, je préfère les téléporteurs. Heureusement que votre sceau a activé ceux des environs. J'ai eu le temps d'explorer la zone et ce tas de pierres m'a assez intriguée. Vous voyez ces inscriptions? Je vais retourner à la guilde pour tenter de les traduire. Continuez jusqu'à Snowspire pour parler à Faux. Il vous y attend. On se voit plus tard. Eh bien, c'est parti. Direction Snowspire. Ah. Un petit passage là. Allez, on pêche. Élixir de volonté. Peut-être que je trouverai quelque chose d'intéressant en termes d'armure et d'armes ici. Enfin, déjà qu'avec l'arme de Davo là, je suis tranquille. Flafo. Bienvenue, héros. Marchons ensemble et contez-moi votre périple.
Mes invocateurs sont à Outcost. Il nous reste donc peu de temps, et j'ai tant à vous dire. Je suis arrivé ici il y a bien longtemps, quand la guilde pensait que Jack utiliserait l'oracle pour sa quête de l'épée. Maintenant, c'est nous qui avons besoin de ses connaissances. Pour lui parler, nous avons besoin des glyphes de requête. Ils furent cachés à l'époque d'Archon par 4 acolytes, au plus profond de la nécropole hantée. Je dirai aux gardes de la nécropole de vous laisser passer. Les boutiques vont ouvrir. Bon, bah avant d'y aller, on va aller aux boutiques, voir un petit peu. Là, c'est une maison, intéressant. Maison. Ah, là-bas. Quel homme! Je crois que nous pouvons faire un effort pour vous, monsieur. 469 objets. Rien d'intéressant ici. Allez! Les tarifs varient entre les magasins, je ne sais pas pourquoi. Ravi de vous servir. Et c'est le tatouage. C'est sûrement vrai. Vous êtes vivant et Jack est vaincu. Vous cherchez quelque chose en particulier? Bravo! Voyons voir un petit peu. Ah, tiens, il s'est passé. Magnifique! Face de cul. Donner aux œuvres de charité ne fait pas qu'aider les nécessiteux, les handicapés et les orphelins. C'est aussi profitable à votre moralité et au commerce. Plus la valeur de l'objet offert est élevée, plus vous avez de chances de voir de bons objets proposés à la vente. Ravi de vous servir. Maintenant, torse. Chemise de villageois, j'ai déjà. Jambes. Pantalon de villageois. M'acheter. Vendre. Objet. Autre. Nourriture. Il me reste une viande rouge. L'épée est détruite. Salut, face de cul. Je suis trop content d'avoir ce nom, en fait. Ça me fait trop marrer comment il me parle. Il vous dit ça avec un tel sérieux alors que c'est une insulte, quoi. Ah, une armurerie. Voyons voir un peu. Je crois que nous pouvons faire un effort pour vous, monsieur. Alors, acheter des vêtements, des armes, voyons voir un peu, armes de mêlée, katana de maître, grand marteau de maître. Putain, l'arme que j'ai actuellement... Non, c'est je n'irai jamais à cette nécropole, c'est bien trop effrayant. Est-il un vendeur d'armure? Quel héros. Alors, madame, achetez vêtements. Voyons voir un peu ce que vous avez. Pique rouge. Main. Gantelet de plate radieux en noir. Torse. Qui font comme neige au soleil, là, tête. L'art de la prostitution est émaillé de curieuses fantaisies. Celle-ci, qui en est probablement l'une des moins sordides, fera le bonheur des souteneurs en metteur rouge.
avez eu. Vous êtes le meilleur. Bravo. Alors, voyons voir un peu. Vêtements. Tenue. Tenue de plate radieuse. Voilà. Ah bah regardez. Ouais. Ah bah je suis carrément mieux comme ça. Plus d'armure et plus beau en plus. Que demande le peuple. Bon allez. On va affronter... Je sais pas ce qu'on va affronter, mais on va les affronter. Faut aller chercher les quatre... je sais pas quoi, là. Quatre requêtes. On va prendre l'arme. On sait jamais. Détour, c'est peut-être là que je vais devoir aller. Là où ils sont dit, non, oh, laisse passer que faux. Ah oui. Faudrait-il de vous laisser passer? Bon, tu ferais bien de l'accompagner. Bien tenté, Mungo. C'est ton tour, et tu le sais bien. Ah, crotte! Bon, allez, suivez-moi. Ils ont l'air super courageux, ces deux-là. Bon, je vais pas plus loin. Cet endroit n'est pas sûr, vous savez. La ville grouille de fantômes. On dit que ces pauvres diables ne savent même pas qu'ils sont morts. Faites quand même attention à vous en cherchant ces glyphes, c'est ça, hein? Vous n'êtes pas le premier à venir tenter de dénicher des cailloux sculptés, vous savez? Mais les autres n'ont pas été déçus du voyage. Maintenant, ils pourrissent au soleil. Allez, bonne journée quand même! Anna, la nécropole, a retrouvé les tablettes contenant les glyphes qui réveilleront l'oracle. Il faut trouver les tablettes. F1. Mon petit doigt me dit que j'en aurai besoin. Proche de Nicrillon. La tablette contenant le glyphe de requête s'effrite dans vos mains, libérant une odeur nocive et invoquant plusieurs créatures autour de vous. Ah!
Pas les bonnes tablettes. C'est des fausses tablettes, ça. C'est pour ça qu'elles invoquent des ennemis et qu'elles se fritent. C'est pas comptabilisé dans ce que je dois récolter. Il est pénible, hein. J'imagine que ça est encore un peu fourré. 500 pièces d'or, non, quand même. J'ai vu un truc géant et j'ai pas le temps de voir ce que c'était. Potion PX d'adresse. Tablette contenant le glyphe de requête s'effrite dans vos mains. Vous avez tout de même le temps d'apprendre l'expression de Morik. Et à quoi elle ressemble la tombe? À ça? Intéressant. Je vais voir si... Non, tiens. Je n'ai jamais voulu être une porte démoniaque. Cette attente, ces énigmes... Ce n'est pas une vie, ça. Si seulement j'étais un coffre à clés d'argent. J'aime tellement ces petites clés d'argent, si brillantes, si argentées. Je ferais n'importe quoi pour en posséder. Donne-moi les tiennes, et je te laisse passer. Écoute, vas-y. Oui, oui, très bien. Allez. Donne-moi donc tes clés. Merci. Petite clé d'argent. Venez, mes jolies. Merci. La voie est ouverte. Île des Oblons. Viens voir un peu. C'est là que ça contient que dalle.
L'endeuilleur. Oh. Je regrette pas d'avoir donné mes clés, on va voir un peu. Arme de mêlée. L'endeuilleur. 285 plus 55. Feu. Les origines de cette épalarche sont voilées de mystère et tachées de sang. On pense qu'elle fut portée par l'un des héros les plus maléfiques de la guilde, mais personne n'a pu retrouver son nom. Certains pensent qu'il s'agit en fait d'un démon et non d'un homme, et que c'est la raison pour laquelle elle brille d'un feu infernal. Intéressant. Putain, elle en fait des dégâts. Hein. Mais malheureusement, elle n'a pas le truc qui redonne de la vie quand on frappe avec. Ou alors, je gagne de la vie tant que l'arme est dégainée. Ça, c'est intéressant. C'est un point de ne plus vraiment avoir besoin de profond. On va creuser. Je pense pas qu'on va trouver une tablette, mais bon. 500 pièces d'or. Potion de volonté. Tant que les fantômes ne font rien, je me barre. Plaque de Giroen. Ah non. C'est pas systématiquement les belles tombées. De mana. Tiens donc. Inventaire, arme de mêlée, épée longue de mètre, améliorée, mana. Régénère votre mana continuellement lorsque l'arme améliorée est à votre... Écoutez, oui. Vie plus mana... Je ferai moins de dégâts, mais en tout cas, je serai plus tranquille de ce côté. Oh. Du coup, est-ce que ma vie se régénère? Ah ouais, elle se régénère petit à petit, tant que mon arme est dégainée. C'est dommage que j'ai pas la vie des ennemis qui s'affichent. Voilà. On va ici. J'ai une tablette, je crois. Je sais. Ouais, j'en ai une. Tablette de carbone. Cool.
chronique de la Trinité. De Yaro. Allez. Non. Je suis d'abord. Voilà. Ah oh, mais ça me suit. Elle s'est régénérée toute seule. Tatouage furie, tatouage tourbillon d'eau de furie. Ok. J'ai vu une tombe. Non. J'ai vu. C'était une tombe qui était là. De l'avoir tué, je crois que ça... Thank you.
c'est chaud. Tablette d'Avisto. Héros, c'est moi, Faux. Félicitations pour les glyphes. Maintenant, vous devriez rentrer à Snowspear pour tenter de réveiller l'oracle. Allez, un beau truc s'il vous plaît. Potion PX de force. Ok, d'accord. Allez, entre au bercail. On va enfin voir ce que nous veut ce fameux oracle. Reste meilleur. Ok. Donc, on passe par là. Sanctuaire d'Archon. Ce monument date de l'époque du royaume d'Archon. Son utilité reste un mystère, même si selon certains érudits, elle servira au rituel de verrouillage de la mystérieuse porte de bronze. Ah oui. Excusez-moi.
Alors, on va chercher. On va voir l'oracle. On va ramener les 4 tablettes. Faux doit être là. Oui, il est là. Vous avez trouvé les glyphes. Bien. Il est temps de rentrer pour tirer l'oracle de son profond sommeil. Oh, grand oracle, accorde-nous la connaissance. Dis-nous quel mal grandit sur ces terres. La prophétie s'accomplit. Voici l'homme de la guilde. Vous suivez les traces de celui qui portait le masque avant vous. Jack of Blades a réveillé le pouvoir dormant des invocateurs. Il a généré sa nouvelle forme derrière la porte de bronze avec votre sang. Mais son masque des armes vous permettra d'alimenter le sanctuaire d'Archon et d'ouvrir la porte. Allez maintenant, allez affronter votre destin. Jack a encore trompé la mort. Nous n'avons jamais rencontré quelqu'un comme lui. Je ne vous envie pas. La porte de bronze était un symbole de malheur ici. Allez voir Eglantine au sanctuaire. Elle sait peut-être comment fonctionne le masque des armes. Je dois rentrer à la guilde. Je vous souhaite bonne chance. Les boutiques vont ouvrir. Pour interagir avec l'oracle, utilisez l'une des 4 expressions des glyphes au centre du podium. Êtes-vous là? Nous avons entendu l'oracle. Retrouvez-moi au sanctuaire d'Archon, dans les terres désolées. J'en sais plus sur les inscriptions. Alors moi je vais, avant de finir l'épisode, je vais aller à la guilde dépenser mes points pour améliorer mon perso. Bon séjour à vous. Alors, guilde des héros. Maintenant que je récupère de la vie et de la mana, j'ai plus vraiment besoin du sort de vie. Eh oui. Améliorer la physique, oui. Et non. Voir un peu ce qu'on en sort d'attaque. Boule de feu, charge de bataille, multi-frappe. La capacité de frapper 2 fois la cible en un seul coup. Ce sort extrêmement puissant canalise la fureur des dieux, invoquant d'immenses colonnes d'énergie qui tombent du ciel pour frapper tout ce qui se trouve dans un large rayon autour du héros. Colère... Mais non. Colère infernale. Ce puissant sort maléfique invoque des vortex d'énergie des enfers. Importe. Oh, c'est été drainé peu à peu. Oh non. Un sort qui bousille ma vie, ça m'intéresse pas. Invocation. Invocation arrache l'âme d'une créature de l'outre-monde pour l'envoyer aider l'utilisateur. Si cette créature en tue une autre, elle est remplacée par l'âme de la créature récemment terrassée. À plus haut niveau, l'utilisateur peut maintenir la créature invoquée plus longtemps. Ça, c'est intéressant. Drain de vie, je peux pas l'utiliser, faut être maléfique. Ouais. Ralentissement. Ce sort affecte la structure même de la dimension temporelle. Il ralentit tout ce qui se trouve autour de vous sans vous affecter. À haut niveau, la durée de ce sort est accrue. Et le monde ralentit jusqu'à se figer presque totalement. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est super intéressant. Rébellion. Lorsque... Ah oui, ça, c'est pour avoir un acolyte, d'accord. Poussée magique. Ça, c'est pour faire chuter les... Ouais.
Ralentissement, ça m'intéresse. Sort physique. Charge assassine, soin de vie, épée spectrale. Plus de flèches. Ouais, puissance magique, c'est pour augmenter la mana. Je vais essayer ralentissement. Parce que les ennemis sont très rapides. Je m'en plains souvent et du coup... Ralentissement niveau 2. Ok. Ralentissement niveau 3. Et là, j'ai ralentissement niveau 4. Attendez. Compétences. Magie. Sorts environnementaux, ralentissement. Hop. Et... Oh merde. Hop. Voilà. On va essayer ça. On va essayer ça. On va voir ce que ça donne. Je parle à... Parler à Eglantine au sanctuaire d'Arche... De Snowspanier, ok. Pas de nouvelle quête? Non. Bon. Eh ben écoutez, Seigneur, on va se laisser ici. Bénis des dieux. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur Fable. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.